j'étais au boulot, mes voisins qui ont une école coranique à côté de moi, ils m'ont appelé pour dire que non, venez monsieur, on est en train de creuser entre toi et tes voisins. Alors je prends un taxi, j'arrive. Quand je suis arrivé, je vois un jeune en train de creuser. Je demande pour faire quoi. Oh non, tu es qui? Oh, mais tu es qui? J'ai une parcelle, c'est ma parcelle à moi qui fait frontière à une parcelle. Il y a un mitoyen quand vous creusez. La terre vient vers chez moi. C'est pour faire quoi? Oh non, je vais vider la toilette. Vider la toilette, non, ça ne se passe pas comme ça. J'ai un enfant à bas âge. On s'attend à beaucoup de maladies. Les gens qui vous ont demandé à creuser, ils ont aussi des petits-enfants. Mais quand il y aura la pluie, on va faire comment? Donc j'étais content de venir à la maison. Quand je lui ai posé la question, il m'a dit que non, c'est pas moi, c'est les gens qui habitent là qui m'ont appelé. C'est pour cela que moi j'ai dit que non, je suis parti voir le chef du quartier, appeler qui est le chef de bloc. On dirait le chef de bloc va la dire que non, moi, on va vider que l'eau comment? L'eau, on va vider l'eau qui sort d'où? C'est vous me de dire la vérité que non, c'est sur la toilette. Mais en cas de pluie, l'eau là ira où? On a des enfants qui marchent pieds nus. J'ai une école coranique qui est bourrée des enfants. Les lycéens passent par ici, tout le monde presque. Mais en cas de maladie, c'est ça que je suis vraiment désolé. Je suis désolé.